amis turfistes et mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquillou. Donc, aujourd'hui, dommage pour le Quintet, on aurait dû placer ce regret le 7 plus haut. D'autant qu'en plus, il méritait une étoile dans mon tableau parce qu'il était supplémenté. Et vous savez que j'ai la case aussi supplémentée et j'ai pas mis l'étoile. Sinon, il aurait 5 étoiles et il serait parmi ben, ceux qui avaient, je crois, 4 étoiles et j'aurais pu vous donner le quintet en 5 en désordre. Dommage. Mais bon, comme quoi, mon tableau de place, il n'est pas moche que ça parce que jeudi, on touche. Aujourd'hui, eh ben, on touche ben, le tiercé, je crois que c'est en 3. Je vous donne le tiercé entre. Dommage. En fait, si je mets ce 4 aussi devant, mais bon, après, c'est comme ça. Mais déjà, c'est pas mal, le tiercé en 3, je crois, en désordre. Et si je mets ce 7 plus haut, hein, surtout si je rajoutais cette étoile supplémentée, que j'ai zappé hier, complètement zappé, on aurait pu avoir moins un quinté. Voilà. Mais bon, c'est pas mal. Pour demain, ça sera encore sur Deauville, hein, on lâche pas cet hippodrome. Donc, ça sera sur les 1600 mètres. Comme d'habitude, privilégier les petits numéros de corne. Terrain annoncé peut-être lourd, mais bon. Ce sera la belle handicap et le grand prix handicap de Deauville, doté de 80 000 euros, 1600 mètres, ligne droite. Au total, 16 partants, des chevaux qu'on connaît très bien parce qu'ils sont âgés de. Voilà, et comme j'ai dit, il y a un peu de tout, hein, 4, 5, 6, 7 ans. Donc je pense que même demain, ce sera un quintet pas facile à déchiffrer quand même. Comme tous les quintés à Deauville, d'handicap. Donc, bon, on va essayer. Donc, avant ça, on va regarder quand même mon tableau parce que on va jeter un œil. Hein. C'est parce que les bonnes bases nous les sort. Donc, on va regarder encore le tableau, mes amis. Alors, mon tableau, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, par rapport à ma synthèse, on peut voir que l'as a 6 étoiles, hein, bonne base, cet as. Après, il y a 5 étoiles, il y a le 3 et le 9, et 4 étoiles. À partir de là, il y a pas mal de chevaux. Hein. Voilà, 4, 6, 7, 8, 15 et 3 étoiles aussi. Donc, c'est pour vous dire que c'est un quintet quand même assez un peu compliqué parce qu'il y a pas mal voilà, de chances. Hein. Avec les 4 et 3 étoiles, il y a beaucoup de chevaux. Donc, on va dire que c'est un quintet un peu difficile. Mais voilà, mon tableau dit que cette as, c'est la bonne base. Donc, on va essayer de faire confiance. Nous, de suite, on va faire le pronostic. Allez, c'est parti. On va commencer par nos deux bases. Je vais mettre cette as. C'est une Unique Spirit. Voilà, bon petit cheval. Hein. Je pense qu'il va porter le plus gros poids. Mais je pense que c'est une course visée. Attention. Après, je vais mettre ce 3. Tant pis pour eux. Pierre Charles Boudot, hein, comme je l'ai dit, est toujours dans les quintés, comme aujourd'hui. Bon numéro de corde. On peut faire confiance. Après, je vais mettre ce 9. Tonnancourt. Attention à lui. J'ai bien aimé sa dernière course. Je vais mettre ce 15. French Pegasus. C'était le malheureux la dernière fois. On va pas compter cette course-là. Je pense que ce parcours-là à Deauville, ligne droite, ça va plus se convenir. Donc, attention à ce 15. Je vais mettre ce 5. Rock Angel. C'était, je crois, l'année dernière, il a fait 3e de cette course-là. A dû être préparé pour cet objectif. Et après, je vais mettre ce 6. Mon ami l'Écossais. L'entourage est chaud patate. Donc, voilà, il faudra le mettre dans le ticket. Mon regret, et attention, voilà, parce que mon regret, en ce moment, ils sont en forme. Hein. C'est quoi vendredi, aujourd'hui le 7. Donc attention, ça sera ce 8 Walid. Voilà, a gagné la dernière fois. Donc là, je pense que c'est pas un petit. Ouais, j'ai peur pour le terrain. Mais bon, je mets en regret. Faites attention à ce 8. Voilà, les amis. On va passer à Mochoko. Ouais, Mochoko, il nous a fait des frayeurs. Et après, à la fin, il s'est mis au galop. Hein. Dommage parce qu'il revenait très bien. Et pourquoi pas, il aurait peut-être pu lutter pour la gagne, hein, ça on ne sait pas. C'était Falcao de Lorma, part au galop dès le départ. Il était dernier, à monter, il suit les autres. Troisième épaisseur, il essaie d'aller chercher la course, hein, mais il se met quand même au galop. Aurait tenu une place, je pense, pour moi, dans les trois. Et peut-être pas viser la gagne, donc dommage. Mais bon, celui-là, je reprendrai, vous inquiétez pas, Falcao de Lorma. Donc, ça fait, on retombe dans notre moyenne, 12 sur 6. Voilà. Pour demain, à Mont-Saint-Michel, réunion 3, course 4. Un cheval que j'aime bien, c'est ce 12, Airless Gel.
Je pense que, vu la course que c'est, je pense que pour moi, il peut. Voilà, c'est une course visée. S'il nous répète la course qu'il avait fait le 24 juin, où il finissait troisième, devant, je crois que c'était Fetit Chatou qui gagnait. Mais par contre, il battait des chevaux que je connaissais très bien, parce que je vous donne souvent au chocolat, c'est ce Fonceur d'Ouel. Voilà, qui je crois qui a fait une très bonne course à Vincennes. Et Darles Gyal avait gagné, ben Fonceur Ouel avait gagné Falco Berry, Falco Somoli, je crois, ce jour-là. Donc s'il répète cette valeur-là, pour moi, il doit être dans le podium. Voilà. Et pour moi, il doit jouer la gagne, bien sûr. Ce 12, Darles Gyal. Voilà, les amis. Moi, comme d'habitude, je vous dis bonne chance, bon jeu, à demain, adios.